Oh bah c'est du sacré calibre ça. T'as vu? T'as vu là? C'est sympa hein? Oh là là! Petit diabolus là, 1000 centimètres cubes. Oh bah elle est pas mal hein! Ah ça change de ton autre moto hein! Ah bah oui, bah l'autre c'est une petite moto qui est sympa limite pour aller à la plage, tu vois. Ouais c'est sûr, mais là t'es passé à un autre calibre hein! Ah bah ouais. Bon, du coup, je vais la ranger hein, maintenant. Bah du coup ouais. Allez, on range tout ça. Elle est quand même stylée la moto. Hein. C'est un Z1000 en gros. C'est un Z1000. Elle est quand même très très cool la moto. Hop, rentrer le véhicule. S'il m'aurait dit comme quoi il y avait des frais, j'aurais dit non, mais il se fout de ma gueule quoi. Il se fout de ma gueule. Et donc du coup, docteur Sully, si, il y a du monde. C'est juste que c'est vrai qu'en matinée, début de journée, il n'y a pas grand monde. Mais par contre, après, un peu plus tard dans la journée, il y a du monde. Et c'est vrai qu'on aimerait bien qu'il y ait plus de monde. Donc c'est pour ça que bah, s'il y a plein de gens qui viennent aussi comme ça, c'est cool. Au fur et à mesure, attends, on me demande des trucs en même temps. Je vais lui dire, bah, regarde des tutos parce que là, je peux pas t'expliquer ma gueule. Hein. Regarde, attends, active ton micro et va dans les paramètres de touche et GTA Online. Oh fuck. Voilà. Yo les gens. Stripper, stripper, watch out. Attends, je vais me changer. Ça marche, il y a le chef et l'inspecteur. Ouais. Ah bonsoir chef. Bonsoir. Oulé, du coup. Ah bonsoir. Bonsoir. Alors, vous allez bien, inspecteur? Ça va bien, vous? Ah bah ça va, hein, comme un gardon. D'accord. Mais gardon sauvage, hein. Ah oui, carrément. Ah oui, il faut toujours être un peu vif. Ah oui, là. Pour être vif. Gilet pare-balles. On va aller sur la radio. La radio, la radio, la radio. Bonsoir. 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 KD 94, prise de service. 4. Alors, on est bon. Ça me fait plein de bruit là, chelou. Ah voilà, c'était lui qui posait problème, je pense. Est-ce qu'on m'entend? Bonjour, 1, 2, 1, 2. Oui, c'est bon. Est-ce qu'on m'entend, 1, 2, 1, 2. Oui, Bonjour. nickel, Ah bonjour. super. Bonjour. Merci, merci, bonjour. Alors, Vous attends. allez? Oh non, je fais un petit tour, je viens de débarquer. Ah oui, c'est Vlad. Okay. Alors, on prend sur nous. Prendre arme. Alors, on a besoin de notre matraque. On a besoin de un pistolet de combat. On a besoin d'un taser. On a besoin d'une carabine d'assaut. Non. SMG d'assaut. Voilà. Après, on a besoin. Prendre objet. On a besoin de quoi? On a besoin. On n'a pas besoin de méthamphétamine, on n'a pas besoin de coke. On a besoin. Mince, on a besoin de quoi? Ok. Ah, on a besoin d'une lampe. Ça, une lampe, on a besoin. On en a besoin d'une. Voilà. Et puis, je crois que c'est tout. On a à bouffer, on a à boire sur nous. Merde. Yo, les gens qui arrivent sur le live, vous allez bien? Je pense qu'on a tout ce qu'il faut. Assaut, pistolet, taser, lampe. On n'a rien besoin d'autre. Hein. Ah si si, on a besoin peut-être un peu de. Non, bandage. Est-ce que j'en ai des bandages? J'en ai trois des bandages. C'est bon, ça ira. Ouais, ça ira. Je renferme derrière moi ou vous ressortez tout de suite, inspecteur? Oh, je Oh, c'est bon. sortirai. Ok.
Week-end bien passé? Ouais, week-end tranquille. Ah, Jerry, il y a quelqu'un qui te cherchait. Ah bon? Comment ça? Ah, attends, on nous attend dans le parking. Là. Vous avez des jolies baskets, monsieur. On peut vous aider, monsieur? Oh, quel beau tatouage, monsieur. Ah, merci, merci, ouais. Ah là là là, quelle voix extraordinaire, ça me fait plaisir de vous croiser, monsieur Jerrican. Ah bah, merci beaucoup, ouais. Ouais, en fait, c'est moi qui ai inspiré Barry White, c'est pour ça. Ah ouais, bah vous avez vraiment une voix extraordinaire. Ah ouais, je... Aussi, il va falloir inventer des chansons. Hein. Aussi jolies que vos baskets. Hein. Ah, c'est des baskets à pic. Ah oui, c'est spécial en cas d'agression. Ok, ouais. Et c'est des baskets qui courent vite ou pas? Ah bah, la dernière fois qu'on m'a agressé, hein, après, bah, j'ai tout cassé. Par contre, je peux pas jouer au foot. Ah ouais, non mais oui, bien sûr. Ça coûte trop cher en ballon. Ah non, mais j'avoue, c'est vrai. Ouais, là, j'ai pris des crédits à chaque fois. Hein. Ah non, mais c'est chiant. Ouais. Ouais. Bah, je suis obligé de vous laisser parce qu'il y a ma chef, elle m'attend dans le parking. Et moi, qu'est-ce que je peux faire parce que je viens de débarquer en ville? Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller, vous voyez, regarder votre téléphone sur le GPS. Je vous conseille d'aller déjà. J'ai pas de téléphone, moi, monsieur. Ah bon, d'accord. Bah oui, bah il faut aller acheter un téléphone. D'accord, mais j'ai que 200$. Je sais pas si ça passe. Non, non, vous avez plus. Hein. Normalement, quand vous arrivez en ville, vous avez plus. Hein. Ah bah, je sais pas, quand je fais start, ils me disent 00, mais après en dessous, il y a marqué 5007 sur ma carte. Voilà, exactement. C'est sur votre compte bancaire, en fait. Ah, donc, d'accord. En fait, vous regardez dans le coin, vous regarderez donc au niveau de votre GPS. Vous avez des banques, vous avez des supermarchés. Supermarchés où vous pouvez acheter votre appareil photo, votre téléphone, je veux dire. Et après, de là, vous pouvez aller faire un petit tour à Pôle emploi, par exemple, pour aller voir un petit peu les métiers qu'il y a, pour se faire un peu de blé au début. Ah ouais, 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 bah ouais, on verra. Bah d'abord, alors, ok, yo, les gens. Je trouve le truc pour acheter le machin. Okay. Voilà, déjà Supérette, téléphone, et puis après, Pôle emploi. Elles sont où les super? Et puis après, passer votre permis aussi, c'est pratique. Ah, c'est bien, mais un vélo, c'est plus écolo. Hein. Ah oui, c'est sûr. Bon, je vous laisse écouter, monsieur, au plaisir, et puis voilà. Ouais, ça marche. À plus tard. Prenez pas un Wiko, hein, parce que c'est de la merde. Il est beau, mon vélo. Non, un Wiko, j'ai dit, prenez pas un Wiko. Bon, allez, hop, on est parti. Yo, les gens, sur le live. Comment est-ce que t'as bien? Hop, hop. Et bonsoir. N'oubliez pas de remettre votre radio avec le recteur. Ouf. Faut être au minimum 5, quoi. Je pense qu'on va être plus que ça. Non, on est 6 là actuellement. Yo, les gens sur le live va. Et ben pour le moment, on part sur 3 convois, 2 cruiseurs et un. Il y aura chef genre okay, à donc Paris. De quoi? Chef genre à Paris? Bon, ça fait toujours une personne par véhicule, du coup. Et, limite. On prend 3 vannes de prison, 2 cruiseurs et un hélico. Ouais. Ok. Donc il y en a un qui me sort la cruiser, il la met devant. Il y en a un autre, quand il a mis la cruiser, il me sort un autre van de prison. Si vous avez des droits, je sais pas si non, non, on n'a pas, non. Ah putain. On peut que sortir la cruiser. Ouais, alors. Non, je vais vous sortir les véhicules. Rangez-la, celle-là. Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un en moto ou pas? Non, négatif. Non, parce que si vous percute, vous êtes mort. Hop, vous me placez ça. Devant le pour devant le premier camion. Convoi, je vous aurais dit oui, mais pour ça, c'est trop risqué. Vous placez ça devant le premier convoi. Enfin, dans le premier camion. Alors. Tu peux me faire une dédicace, s'il te plaît? Bah, dédicace, Parasite, Momo, TKT, t'inquiète, on est là, RPZ. tout ça. Vous me placez ce van là aussi derrière. Vous verrouillez pas les véhicules. Hein. Ouais, bien sûr. Vous voulez que je la passe derrière la cruiser? Non, derrière encore derrière le van prison encore. Ok, ça marche. Fred, tu prends l'hélico? Attention derrière. Je peux le prendre. Non, je pense que c'est mieux que ce soit toi. Enfin, ou Pierre. Pierre. Mm-hmm.
Pierre ou là on va faire du convoi les potes. Là on va faire du convoi. Je réfléchis. Ok. Parasite. Tu l'as, t'as dédié Momo. Bah voilà Momo apaisant. RPZ, la Momo il est là. Azaï, je suis ban sur YouTube. Ah, mais pourquoi t'es ban sur YouTube, Iboulard? C'est que t'as fait une bêtiserie si t'es ban sur YouTube. Donc 12 et 94, donc un petit briefing déjà, vu que c'est votre premier convoi fédéral, ouais. Non? Oui, exactement, ouais. Donc ça va se passer de la façon suivante, donc chacun va avoir un véhicule. Vous serez sûrement dans les vannes prison pour, on va dire, assurer votre sécurité quand même un peu plus un peu mieux vu que vous débutez. Donc le but des vannes prison, c'est de jamais s'arrêter. Tu me coupes aussi. C'est-à-dire que si jamais il y a une fusillade qui intervient sur le convoi, en aucun cas un van prison doit s'arrêter, il doit continuer sa route jusqu'à la fédérale. D'accord, et notre but en gros c'est d'arriver le plus vite possible d'un point A à un point B quoi. C'est ça, c'est le point, le point A c'est le commissariat, le point B c'est la fédérale. D'accord. C'est quand déjà la prime de fin d'année? Ça va être lent. Il y aura quelle intervention? Donc voilà, donc vous serez là-dedans. Cagoulé et casqué, bien sûr, très important. Ouais, bien sûr, ouais, on a fait le nécessaire, on a pris ce qu'il fallait. Ouais, ça, ouais. On a fait le nécessaire. C'est bien. Écoutez, c'est tout bon pour moi. De toute façon, on fera encore un débrief. On fera encore un petit débrief après. C'est tout bon pour moi. Bon, on peut retourner avec tout le monde. Ok, ça marche. Ok, 67-07, le convoi, il est en place. Il est un plus que l'individu et qu'on soit. J'ai déjà briefé un petit peu les deux nouveaux cadets, donc ils sont sûrement dans les vannes de prison. Ok, super. Azaï, tes vidéos recettes, c'est le feu, mais je suis au régime, du coup, je regarde la vidéo, j'ai faim, machin. Hein. Ok, d'accord. Je crois que je vais aller mettre la tenue d'hiver. Hein. Ouais, je vais aller mettre la tenue d'hiver. Hein. Sans pouvoir manger. Ah, bah oui, c'est sûr, tu c'est d'origine. Tu cherchais tout à l'heure? Ouais, je l'ai vu, je l'ai vu. C'est moi le vol de véhicule là, donc tu peux me servir. Vous avez des chaussures à pic? Ouais, j'ai vu. Tu devrais aller chercher peut-être tes affaires aussi. Non, t'as pris tes affaires avec toi, c'est bon, t'as ton casque ouais, et tout. Ouais, j'ai ce qu'il faut. On mettra peut-être deux personnes pour le coup dans le véhicule de fin. Du coup, le véhicule arrière. Parce que je me dis que si nous, enfin la logique dit que si on nous attaque, enfin le temps qu'ils voient le convoi passer, ils vont arriver vers les véhicules arrière. Tu peux aller voir le mec à côté de toi. C'est moi, s'il te plaît. J'ai besoin d'aide. Comment ça, le mec à côté de toi? Là-bas? Je peux vous aider, monsieur? De toute façon, je crois que Martin Williams est encore en train de dormir. Quand tu me vois, Nat. Quand il y a tout le monde, je vous vois tout le monde. Oui. Ah, il répond pas, hein? De ouf. Non, mais ouais, par contre, je vais essayer de faire un petit peu de trucs un peu. Bon, là, j'ai des bonnes idées là qui vont arriver dans la recette. Mais je vais essayer de faire une petite recette sympathique un peu plus diète, on va dire un petit truc sympathique. Yo, tu recrutes en flic? Non, on recrute pas normalement. Enfin, si, on a recruté, mais là, on est pas mal en effectif déjà. Violence volontaire avec mutilation ou infirmité permanente, illimité de cocaïne, fabrication de cocaïne, vente de cocaïne, trafic d'armes illégales, vente d'armes illégales, non assistance à personne en danger. Ah oui, arme à la main. Ce qui nous fait un total de 1 368 000 $ et de la prison à perpétuité. Ouh, le champagne qui va avec. Ouais, bien sûr. Champagne. Ouh, prison à perpétuité, ça rigole pas. Ah bah là vous avez plus froid comme ça là. Pas techniquement les autres. C'est la tenue d'hiver. Je sais pas si on se fait bien attaquer hein, les autres de son groupe. Soit chez nous. Soit ils sont fait trahir ou soit ils sont dans un fauteuil. Ah oui, d'ailleurs, c'est sa disparition. On ne sait jamais.
Vous voulez pas prendre des kits de réparation sur vous? Ils sont dans le coffre. Au moins un par personne. On a sorti le lourd, regardez les mecs là, comme on a sorti le lourd là. On est chaud là. On est chaud de ouf là. Et si ça se passe quelque chose, une communication claire. Essayez de donner le max d'infos que vous pouvez donner, en un minimum de temps. Et le plus clairement possible. Discat. Ouais, discat, ouais. Cette fois-ci, on pollue pas la radio. Exactement. Non, attends, si je fais ça, ça coupe le son, ça? Non, ça coupe pas le son, ça. Hop, alors attends. Du coup, 17, il arrivera plus tard. Pas attends. Ça marche, vous faites quoi, la chef? Du coup, j'ai calculé les âmes. Vous avez prévenu Martin Williams? Oui. Ouais, nickel. Alors, je suis là, je papote en même temps. Alors, hop, c'en est bon. Le Discord. Elle est descendue en bas. Ah, il est là, le Discord. Et ça, on est là. Alors, tes vidéos me donnent. Ah, bah oui, là, on est. Là, c'est du lourd, putain t'as vu là. Plus le chef d'accusation. Ah, putain, le chef d'accusation, il est ouf. C'était une liste de courses. Ah, ouais, non, mais oui, il manquait plus que du papier essuie-tout, des oignons et des champignons, et t'es bon. Ouais. T'es allé chercher un kit de réparation? Ouais, c'est non, bon. Non, mais j'ai des bandages aussi. Ouais, j'ai hésité à en prendre. Alors, on va prendre un petit hamburger. T'as pas faim, t'as pas soif, ah voilà. Bah, dis donc, t'arrives à bien manger avec ta cagoule, toi. Alors, petit jus de fruits là, voilà. Ouais, c'est une cagoule absorbante. C'est le modèle hamster, tu mets les trucs dans les joues. Je vois. Donc, du coup, c'est bien tout ça. C'est bien. Attends, je voulais bouger un truc. Il y a un truc qu'il faut que je bouge. Ça, il faut que je le bouge pour le mettre ça comme ça là. Ok. Et à la limite, je mets ça comme ça là. J'ai pas besoin d'autre chose en vrai. Hop, voilà, comme ça. Pas évident des fois de placer toutes les fenêtres. Il me faudrait un troisième écran. Clairement, il me faut un troisième écran. Yo Drissou, yo les gens qui arrivent sur le live. On a fait nos PPA pile poil au bon moment, moi j'ai envie de te dire. Ouais, 2,94. Sinon, je pense qu'on serait pas parti avec eux. Parce que là, avec juste un taser. Attends, on nous a parlé radio, je crois. Vous m'avez parlé sur radio? Ouais, vous pouvez venir devant le commissariat, s'il vous plaît. Ouais, 10-4, on a l'arrêt. C'est laquelle arme que je peux prendre déjà? 76, je m'en rappelle. Fusil d'assaut, carabine spéciale. Excusez-moi, est-ce qu'on m'entend? J'ai cru aussi fusil d'assaut, ça c'est les acteurs en fusil d'assaut. Ok. Ouais, c'est donc, celui qui parle, il peut lever les mains s'il vous plaît. Dans l'armurerie, je vous conseille de prendre cette arme, c'est le fusil, c'est la carabine spéciale. Elles sont plus puissantes que nos armes qu'on avait précédemment, comme la SMG ou. Ah d'accord, ou ok, ouais. Ok, pas de soucis, on va échanger avec la SMG. On va aller chercher ça. Merci bien, ouais. Vous êtes invisible, monsieur. Excusez-moi, allez-y, sortez. Merci. Après vous, mademoiselle. Alors, on va poser arme. Déposer arme, on va déposer. C'est excellent, cadet. Bravo. Alors, on va maintenant
Prendre fusil snap carabine. Alors, c'est quoi le fusil d'assaut spécial? C'était la carabine d'assaut. Ouais, enfin je crois que c'est ça. Enfin, hein. Il a parlé de fusil d'assaut spécial. Ah non, carabine spéciale, ça va être ça. Ah voilà, c'est ça, c'est carabine spéciale. C'est un G36 en vrai. Ouais. Tiens, je vais essayer si la poignée marche. Ouais, tu me dis, si ça marche, je prends. G36, c'est pas mal, hein. Ouais. Ah oui, G36, ça envoie du lourd, c'est bien. Tu peux mettre la poignée dessus. Ok, bah je prends. Alors. Alors, objet, poignée. C'est dans les objets qui sont rangés. T'as vu le vol de véhicule, ouais. Frère. Alors, vous, si vous voyez la poignée, elle est où la poignée? Poignée, jumelle, lampe, patate, plongée, poignée. Ah, yes. Une poignée, ok. Ok, et ensuite. Ensuite. Poignée. Après la poignée, t'en fais quoi là? Tu l'as fait utiliser? 07 à la radio, est-ce que tout le monde est là? Ouais, on va juste faire un tour au niveau d'un vol de véhicule près de l'aéroport. D'accord, t'en fais quoi de la poignée là? Moi ça marche pas. On a changé de tactique avec 01. Ouais, 10-4. Bah. Ouais. Je suis dans les cellules pour vérifier si l'individu revient. Ok, 10-4. Hein, t'as fait comment? Moi la poignée, y'a rien qui se passe. Hein. Je peux même pas l'utiliser dans l'inventaire. Bah tu l'as fait. Mais, si tu l'as utilisé, c'est bon. Attends, j'ai un souci, je vais essayer. Alors attends, déposer objet. On va déposer. Elle est où la poignée? Je sais pas pourquoi ça veut pas. Hop, ok. On va reprendre la poignée, prendre. Poignée. On veut une. Voilà. Ensuite, on va faire. Hop. Ah non, ça veut pas. Ah si, ça attend. Vous venez d'équiper votre poignée. Ah si, parfait. Ah voilà, c'est bon. Je peux rentrer, 01. Bon bah. Adam 19, 10, 19. Pourquoi tu prends une voix bizarre? Parce que c'est la voix de mon personnage, Akuma. Du coup, Costa, et tu l'as. Je direction sais pas si tu l'as. Briefing. Live de type qualitatif, bah oui mon vieux. Bah oui, c'est ça qu'on veut. C'est bon, t'as réussi à la mettre? Ouais, c'est bon, nickel. Okay. Il y avait un souci sur la première en fait, alors j'en ai repris une autre, tout ça. Bah du coup, salle de briefing. Ouais, disquette. Ok, on est là dans... Alors, c'était quoi le truc que tu m'avais dit tout à l'heure? Live de type qualitatif, c'est pas ça. On m'a donné tout à l'heure la liste des actions que je pouvais faire. C'est quoi la liste? C'est pas ça. Non, cigare, on s'en fout des cigares. Hand over holster. Ah, ça va être ça. Ça va être ça. Bon, toujours pas, apparemment. Ouais,
la petite tenue de, la petite tenue d'hiver. Hein. Elle est obligatoire. Ça bon. Non, c'est pas ça. Ah non mais c'est bon, je la quitte plus. Hein. J'en ai pris assez des couilles. Sécurité garde pose. Ah voilà, c'est ça. Il garde. De quoi il parle le lieutenant? Ouais, je me rappelle. Je me rappelle d'une certaine fusillade en pleine ville où j'ai assez souffert. Hein. Non. Non, c'est pas ça. Putain, je suis en train de chercher une pause en route vers les 25 km, ouais, ça serait bien. Ah oui, la fameuse fusillade. Bah oui. C'est violent. Alors, du coup, 01 m'a fait une remarque importante. 32 que... plus de service. Plus 4. Plus 4. 4. 4. 4. 4. 4. J'ai posé mon arme. C'est qui, 32 ? Non. C'est Grégoire Derek. J'en connais une qui va être contente. All pissing, non. Grab, pick, sack. Ça, je sais pas du tout, c'est où, hein. Become is the possibility. Oh mon dieu. C'est quoi ce nom? 32, c'était pas Damien Drouer? Fail. Non, cross, c'était 42. Non, là, on avait avec 42. Non, putain, j'arrive pas à tout. On avait 36. Tous une crampe. What? Alors, du coup, messieurs, ce que nous allons faire, c'est qu'au final, nous allons partir qu'à un seul van avec deux chroniques dans Réa. Et un hélicoptère. Ok, ouais. Pas ouais, je n'avance plus. Ah bon? Non, c'est des veaux. Faut prendre au moins la cruiser. N'importe quoi, bah alors la cruiser si vous voulez. Et pendant ce temps, deux personnes vont prendre un véhicule banalisé avec le prisonnier qui partira en décalé. Comme la dernière fois, le. Ah, pas mal. Fois à l'entrée d'autoroute, l'hélicoptère, enfin le Henri, va à la fédérale et s'il n'y a pas de signature. Voilà. Ouais, 10-4. D'accord. On prépare les véhicules Bana derrière. Alors, tu penses un jour venir au Luxembourg ou même est-ce que tu connais? Alors, je suis jamais allé au Luxembourg, je suis allé plein de fois aux villes à côté, enfin aux villes, dans les régions à côté, que ce soit en Belgique, en Allemagne, en Hollande, etc. Ouais. Mais jamais, jamais au Luxembourg. Très bien. Bah, je juste un upgradé, vous prenez le véhicule à l'arrière, vous le préparez et nous on va préparer devant. Ouais, je vais aller. Fred, tu peux baisser les bras. Baisser quoi? Vous pouvez baisser les bras, les gars. Vous pouvez baisser, hein. Levez les bras, vous. Vous pouvez baisser les bras. Fred, lève les bras et baisse. Voilà, et baisse les. Voilà. Hey, Tom, baisse les bras, là. Ouais, baisse les bras aussi. Ah, ils sont. Ouais, attends. Ouais, lève, descend. Ouais, voilà. Ouais, parce que t'as pas mis de d'axe, alors du coup, voilà. Et pareil, tu peux sauter un coup, toi, là. Non, tu peux sauter. Eh ben, chewing-gum, entre les chewing-gum et les chikungunya, ça arrête pas, hein. Ouais, là, c'est. Ah, c'est compliqué, hein. Ouais, c'est la Californie, coup, hein, c'est ça. Hein. Du coup, j'imagine que nous, on sera pas dans les voitures banalisées. Bah non, non, non. Vous me rangez deux vannes. Si d'accord. Ouais. Les deux vannes arrière, vous les rangez. Ou les deux vannes avant, comme vous voulez. Bon, on laisse celui qui est à l'avant, non? Ouais. Mais c'est bizarre, hein, que j'étais plaqué, pourtant j'ai même pas appuyé sur G. Yo Balgor, comment tu vas? Désolé, hein, des fois les gens, je suis pas réactif à ce que vous me dites, mais c'est parce que je suis à fond dans le truc. Un van, ça suffit largement. On la range celle-là? Oh, vous sortez un. Ah, ok. La cruiser, je la range ou je la garde? Ouais, vous la laissez dehors celle-là. Ok. De toute façon, on reviendrait dans tous les cas. Ouais, ouais, de toute façon, puis au cas où il y a une urgence, voilà. Elle est nerveuse. Du coup, le dispatch devant est fait. Enfin, le convoi est prêt, pardon. C'est Monsieur Mathieu, du coup, qui va prendre l'hélico? Je sais pas encore. Ça dépend, c'est peut-être 01 ou 19. Le mec, il est là. Putain, vous avez tous les bras, vous êtes chiant. Ouais, baisse les bras, Jerry. Ah bah moi, ouais, bon, c'est vos lunettes. Il y a une Stanier qui tourne autour du commissariat. Salut, comment ça va? Ça va, ça va. C'est une sorte de cruiser. Coucou à tous, coucou d'art. Jerry. Oui.
T'as bien vérifié que t'avais des balles pour ton arme? Ah oui, 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 moi je suis 230 balles. En rayon opérationnel. Toi t'as pris un truc vide? Il s'est fait baiser lui. Je passe devant le comico, je regarde pour la voiture. Elle est derrière en ce moment. D'accord. 67, vous êtes affecté où? Bah moi je suis devant mais j'attends. Je sais pas, parce que... On n'a pas pris, enfin on a pas fait le dispatch à l'avant. Remplis. Ouais. Ouais, je prépare le dispatch devant au pire. Moi non plus, je sais pas ce que je fais. Donc Bah de toute façon, toutes les... c'est qui part en banalisé? Moi j'ai préparé avec eux. Moi je suis parti pour partir en banalisé, mais après je sais pas si je peux. Bah comme vous voulez, hein. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'il y aura deux personnes, donc il y aura... Qu'est-ce qu'on a comme... Alors, il y a... Qui c'est qui est devant? Il y a 12, 94, il y a 67, 32, 47 devant. 4. Donc, 47 et 32 dans la voiture de tête, 83... attendez, non. 32 et 94 dans la voiture de tête, 12 et 32 dans la voiture derrière et 67 dans le van. 4. Et bah c'est pas grave, je n'ai pas entendu, vous avez dit quoi sur moi 47 avec 94 et 32 avec 2. D'accord. 47 prend la tête et 32 prend prend la queue, ouais. Prend la queue, ouais. Et puis à la chef et 19, ils sont en banane. La voiture c'est la... c'est celle de Jean-Jean de Bruggen, hein. Remplissez le dernier véhicule s'il vous plaît d'essence. Quand j'aurai fini le mien. Une Brienne qui tourne autour du commissariat, je sais pas ce que. Du coup, vous pouvez rentrer dans vos véhicules, ceux qui ont été affectés au premier véhicule, vous y allez. L'escadre arrive. 40. C'est UKD 12. Par contre, il y a un énergumène là, il traîne depuis tout à l'heure hein, en face. Là. C'est normal, c'est il y a des petits soucis. Tu es qui avec moi là? C'est 94. Alors, ceux qui ont le moins de soucis prennent le volant. Hein. Oh, bah c'est GG. Bah oui, c'est Jerry. Ok. Mais là, c'est qui là? C'est Andro. Personne, le sergent. Ah, l'unique. Sergent Dodo. Ah oui, l'unique. Je suis bien tombé. Ah bah oui. On m'a mis avec l'élite. Bah, bien sûr, je vous jure que je dors pas au volant. Ah, vous me direz du coup. Putain, 10 likes, 11 machin. Yo Théo, salut tout le monde, je me suis abonné à ta chaîne YouTube et j'ai mis un pouce. Merci Théo, c'est gentil. Et j'ai mis la. Et j'ai sonné. On est pas à partir. Parfait, parfait. Parfait Théo. C'est sympa les petits trucs comme ça. C'est sympa les petits convois fédéral bien comme sûr. Ça, là, quand il se passe des petits trucs là, des vraies scènes. Est-ce qu'on peut baisser les vitres? Moi je me dis qu'on aurait peut-être dû prévoir l'un de nous qui se mettrait hors service, qui serait amené au van là juste devant le commissariat avec un sac sur la tête, qu'on déposerait derrière en fait. Parce que là, si jamais on nous observe avec un sniper pour savoir si on a bien le, si on a bien l'individu, bah ils savent très bien qu'on l'a pas. Il y a un mec sur un toit. Quel toit? Au niveau des ruelles devant le commissariat. Vous avez vu comment tu prédis l'avenir, KD? Il a la visibilité sur le... T'as expérience. Il l'avait tout en haut, là il est en train de redescendre. C'est un homme en costard avec une coiffure de gué. Ah. Vous voulez dire une coiffure à la Joule? On l'a interpellé. Je pense pas, il vient de se réveiller juste tout en haut donc. Ah. Est-ce que ça serait pas l'énergumène qui tournait autour du commissariat là? J'en sais rien, avec une coupe de PD gris. Bah il avait une coupe à la Joule. Ouais, un truc comme ça. En costume. Ah, c'est peut-être lui. Même coupe que BMP là. Ouais. Que King Jong-un là, ouais. Coupe de Kiki ça.
Tu joues à Fortnite? J'y ai joué, mais là j'ai plus besoin. Moi je vais faire nettoyer le premier sort. Là je lui donne l'ordre de sortir le coiffeur. Je suis coiffeur, ça porte quoi ça? 0107, j'attends. Ça te plaît pas? Ok, bah je vais commencer à inspecter la route en hélico. C'était un 42, c'était le fameux 42. On attend le feu vert pour partir nous deux. Merde. Quoi, puis il avait cette là, bizarrement. Vous avez pris un café avant de partir, hein? Non, pas besoin, vous inquiétez pas. Ok. Moi, je dors plus quand il y a rien à faire. Hein. De toute façon, si je vois que vous vous endormez, je vous pince. Hein. Ouais, bien sûr. Alors, on va se prendre une petite lampée d'eau. La lampe, on peut l'utiliser ça aussi, ça. La lampe, elle a été mise sur le pistolet normalement, je crois. Oum. Vous avez utilisé toutes vos poignées. Ok, la poignée, elle est passée. Ouais, c'est ça. Sur place. C'est-à-dire sur place. Comment on fait là, on est comme ça, on a une connexion soit 4G, soit. Vous avez le feu vert, l'autoroute est dégagée. 4, c'est parti, la voiture d'en haut. Du coup, le convoi direction de la fédérale. Occupez-vous, sirène. Gardez un minimum de distance de sécurité au cas où pour pas se foncer dedans. Là, je m'endors bien. Tu veux pas maintenant? Ah non, c'est bon. Du coup, la personne qui va être transportée, elle a un sacré chargé d'accusation. Hein. Oui. C'est un ancien membre d'une mafia, d'un gang, je sais comme vous voulez. Là au niveau du casino. Ouais, organisation criminelle, on va dire. Ouais. Perep. Bon, est-ce qu'on va se faire attaquer ou pas? Hein. Non, ça va pas. Ça va, ça pas de problème. Pas de problème. Toutou Ben. Je vais y aller, la voiture devant. Position au niveau de la Fuente Bank là. Un petit peu moins vite maintenant devant. Bon, ça s'écarte là, ça fait plaisir. Je crois qu'ils ont touché un petit peu la circulation. On arrive au niveau de la fédérale. Yo, Michael Bou. Bah ça va, super, et toi? C'est une erreur classique. Ah, c'est la prison ça? Oh, c'est stylé la prison là. C'est stylé de ouf. On arrive à la sortie de. On prend la sortie d'autoroute pour la fédérale. RS. Ouf. Oh là là, c'était juste, hein. Ça passe, c'est loin, ouais. Yo The Ninjax, comment tu vas? La forme? Dernière route avant la. Avant la fédérale. RS en fédéral? RS. Ok, on vient d'arriver à la fédérale. RS.
le véhicule de fin ou fermer les portes. Attention. Ah oui, c'est Fast and Furious, ouais. Un peu, ouais. C'est possible un ou deux véhicules aux portes d'entrée de la prison qui refermeront juste après notre passage. Le véhicule de fin, vous prenez les portes. On sera deux. Mettez un véhicule à la porte avant et à la porte arrière, comme ça les portes sont toutes les deux ouvertes pour l'arrivée du véhicule. Vous avez vu GG, c'est comme ça qu'on prédit l'avenir d'un coup. Ah oui, bah ça c'est l'expérience hein. Bien sûr. Ouais, Boris, t'inquiète pas, on reste juste là parce qu'on a un transfert important. Hein. Voilà, merci. Oh, parce que le gardien il fait bien son taf, hein. Il est méfiant, mais Ouais, il y a ce qui se passe. Le conduit c'est fluide, c'est agréable. Il n'y a pas, c'est pas forcément des flics des flics. Ouais, ouais. Oh, faudrait qu'il se calme un petit peu son travail. Neuf, il pourrait presque faire le chauffeur du gouverneur, tellement c'est bonne conduite. Alors, salut, je suis nouveau sur ta chaîne. Eh ben, bienvenue X-Gamer, bienvenue. Oui, ça va, profite de la fraîcheur demain, les températures vont grimper. Ah bon ? Moi j'ai la clim, de toute façon, derrière, ça va. Hein. Est-ce que tu vas faire des nouvelles vidéos avec P1 ? Oui, c'est prévu ça, mais il faut qu'on arrive à se capter, qu'on s'organise. Faut que je puisse descendre et tout ça. Discutate, on arrive, on se rapproche. Il est consciencieux, Maurice, hein, il fait sa bonne ronde. Hein. En vrai, il a un bon taf, hein. Il fait des allers-retours parking. C'est ça. C'est facile comme taf. Ouais, bon, il doit avoir des bons mollets, c'est tout quoi. C'est ça. Un peu patient. Quoi ? Hein ? Ouais. Devant. Ouais. Les véhicules. J'ai pas touché. Hein. Non, on a rien vu. C'est le mur qui a bougé. Oh, sérieusement, j'ai touché de votre vue. Oh, c'est chiant. Personne voit la même chose, c'est relou. Et tu vas prendre quoi, du coup ? Yo Nelicrose. Yo mec, tu vas acheter quoi? C'est parce que vous êtes nouveau en ville. Du poisson? Pas vu depuis longtemps, mais personne voit la même chose. Parfois il arrive. Ouais, ça j'ai remarqué, ça dépend des lunettes. Si on a des Ray-Ban ou des Oakley, c'est pas pareil. Ça, du coup, c'est un peu chiant. Tu vas acheter comment ça les poissons? Pour le faire des manœuvres assez délicates comme ça. Ah, les poissons à manger? Du poisson quand même pané? Non, du poisson normal. Ah, d'accord. Parce que du poisson pané, j'en ai, hein. Ah oui, des filets de limande et tout ça, oui. C'est super bon ça. En pané, hein? En pané, oui. Ah oui, mais j'adore moi. Filet, ouais, bah il y a des trucs bien Lidl, filet de limande, c'est très très bon. Bah oui, t'as raison. Allez, prends, faudra que tu prennes le truc de tube isotherme, parce que si c'est en congelé ou en frais, en frais, tu vas le prendre en frais, ouais. Bah tu peux le trouver en frais et en congelé. J'avais déjà eu une évasion de. Attends deux secondes. Ah bon? Il y a quelqu'un, ouais, qui a réussi à s'évader d'ici? Oui, il s'est fait passer pour mort, suicidé. Et puis, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas comment ça a pu se passer, mais voilà, on va tous considérer comme mort. Mesdames, messieurs, c'est un succès. Non, il est mort. Donc, on va tous faire un petit 10-19 et vous allez tous avoir vos primes. Bien joué à tous. Si. Merci. Bravo à tous. Ouais, tu veux avec du riz avec ? Écoute-moi, avec du riz très vinaigré. Ouais, ah ouais, je peux te faire du riz vinaigré, ouais.
Ouais, ouais, bah, je peux, bah, durer, à la limite, je te fais durer comme durée sushi. Hein. Ah, ouais, je peux te faire à la japonaise. Hein. Oui, bah, c'est ce que je veux. Bah, c'est, ouais, sûr, c'est une bonne idée, ça me donne faim déjà. J'ai envie d'en manger. J'ai trop envie d'en manger de ouf. Si j'arrive à manger ce repas-là, ça va changer ma vie. Ah, bah oui, mais riz vinaigré, tu vas aimer. Je pense que je vais. Tu vas aimer, c'est très bon le riz vinaigré. Comment? Oh, on va encore plus s'endormir avec cette musique alors. Vous voulez que je mette de la musique? Non, c'est bon, il y a de la musique là. Ah, d'accord. Non, on s'entendait pas? Non, parce que moi, vu que je fais des trucs avec ma GoPro, je peux pas trop écouter la musique. Ah oui, d'accord, ok, je vois, ouais. Voilà. Ça devait être d'avoir des petits soucis avec ma GoPro. Ouais, non, mais il faut que je me fasse ma propre playlist, au pire. J'ai vu qu'on pouvait brancher nos MP3 dans les véhicules de police, faudra que je fasse ça. Ouais, on peut faire ça, ouais, il y a une petite prise. Ouais, très bonne idée, Nathanache. USB type C, donc après, je sais pas si il y a besoin d'un adaptateur ou quelque chose comme ça, mais regarde. Ouais, faudra que je regarde. Ralentissez encore un peu devant. Oh, c'est bon. Très bonne idée, Nathanache, je suis d'accord. Alors, arrête de parler de bouffe, j'ai faim tout le temps, régime. De ses morts. Ah non, mais là en plus on est en train de parler sa vie, on parle de repas que tu peux manger. Un peu d'action, hein. On parle de riz blanc vinaigré avec du poisson quand même. Là tu peux manger là. Ouais, c'est ma meuf en fait, elle aime pas le riz et elle est moyen poisson, mais je vais lui préparer du riz à la japonaise vinaigré avec un petit poisson et tout ça, ça devrait être pas mal. Avec litchi. Ouais, poisson beurre, machin, voilà, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Oh là là, c'est quoi ça? Ah, les camions, ils croient que c'est la route à leur mère. C'est ça. T'as un plat pour moi, j'arrive. Ah, voilà, là tu peux manger là. Ça, y a pas trop de circulation aujourd'hui, heureusement, c'est une tombée nickel. Ah, problème de corde vocale un peu là. Ah bon? Et là, c'est mieux là? Ouais, nickel. T'avais quoi comme problème? Ah non. J'ai pas une Nissan GTR dans les mains. Ah, ça lag un peu peut-être. Ah, je vais un tout petit peu plus vite que toi, c'est mais pas grand-chose. Quand la nouvelle recette, ça va arriver là dans la semaine, nouvelle recette. Demain, il y a une vidéo qui sort. C'est pas une recette demain, mais c'est une vidéo qui est cool. Et puis, prochaine recette vendredi normalement. Mais demain, il y a une autre vidéo, c'est pas une recette, mais c'est cool. La Gapart est le meilleur. Merci Savio, merci beaucoup. Le boss, ça va? Le boss, tranquillou, bilou. Putain, et ça valait bien le coup de ranger toutes les voitures, hein. Du coup, pour le moment, stand-by dans le commissariat avec les unités. Vous pouvez laisser tout le nez de véhicule dehors. Ah, vous m'entendez bien, sergent, c'est bon? Ah oui, ils ont le plein. Enfin, ils avaient le plein. Ah, sergent, vous m'entendez bien, c'est bon? C'est bon, nickel. Ok, super. Visible, je comprends, super. Toutou Ben! Voilà, j'ai voté tes cagoules là, tout le monde. Hop. Hop. Alors, tous dans le bureau, du coup. Merci. Peut-être on reste dehors et vous nous appelez parce que sinon ça va être le bordel à 15 dans le bureau. Non, comme ça m'évitera de répéter. Merci. Après vous. Vous en êtes si je pose mon arbre sur votre bureau. Merci beaucoup. Posez. Ok. Mettez-vous vite sur le canapé parce que sinon le sergent il va le prendre. Alors, ah bah non, il va me. Ah bah le temps qu'il atterrisse. Bon, c'est confortable. Je vais juste calculer. Alors. Ça doit être bien de dormir ici. En plus, il n'y a pas ton mari qui ronfle ici, Nat. C'est un ouf.
Essayez-vous, hein, le cadet, hein. Pas vous engueuler. Non, mais j'ai glissé. Oh. Hein. On était assis, on se dégourdit un peu les jambes. Bon. Alors, qui me parle? Ok. Et comment ils mettent leurs mains à leur ceinture? Yo, J Delta. Comment ils mettent leurs mains à la ceinture? Position de fouille, lever les mains. Prendre un selfie, ça on s'en fiche. Mais il y a une position. À te faire la statue, c'est pas ça. Ça, bravo, parfait. Écoutez, encore une fois, félicitations à tous, félicitations aux cadets également qui se sont très bien adaptés à la situation. Tout a été parfait de A à Z, sans encombre, sans le moindre petit détail perturbateur. Ça fait trois opérations d'affilée qui se déroulent extrêmement bien. C'est pas bien. Ce que je voulais faire comme truc. Écoutez, que dire à part que je suis oh, génial, attends, fière ça. De vous tous. Vraiment, c'est une très belle équipe qu'on a là. Et j'espère que ça va continuer dans ce sens-là. Alors, attends. Vraiment, copie bravo. Copie. C'était pas comme ça. Je... Ah, super, merci beaucoup. Si. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Alors, je vais procéder également au prix. Ah, super, super, merci. Copie d'œil. J'adore ta casquette et ton débardeur. Aussi du DBZ, ou je me trompe pas, oh ouais, DBZ aussi, le débardeur. Allez, on commence. Première à gauche, j'ai oublié, je crois que c'est 12. C'est GG. Ouais, non, ça c'est pas moi, regardez, il a une coupe moche, ça peut pas être moi. Ah, j'avais pas vu, ouais. Voilà, félicitations. On s'est levé les bras. Allez, 40. Ah, moi ? Non, 32. Ok. 47. Et Copidol, merci beaucoup. Copidol, c'est une bonne position puisque t'es flic. Et c'est quoi la position pour croiser les bras? Oh, moi j'étais un tacos. même deux là, je pense. 94, c'est ça la musique. Oui, c'est ça, ouais. Pourquoi je suis à moins 5000 moi? Oh, merci beaucoup. Ça c'est 11, non, 93. Non, 32. 32, oh là là, il y a un doc normalement sur la Speedy. Mais oui, mais je trouve pas c'est quoi les trucs. Il a pas été effacé depuis. Non, mais je sais pas. Je sais pas. Lève les bras. Enfin, lève les bras et descends les 32. Mais donc, Copidol, ok. Mais l'autre, par contre, je sais pas c'est quoi pour croiser les bras. Merci, chef. Alors, Copidol. Le commando. Copie voilà. Déjà on va refaire ça, parce que c'est bien. Depuis que je me suis fait niquer la gueule, moi, c'est bon. D'ailleurs, tu vas pouvoir faire plaisir. Oh, déjà que c'était pas beau à voir. Allez, mon petit Zora. Mais Copidol, c'est bien pour les flics. Hein. C'est déjà genre là, t'es là, machin, tu tiens ta ceinture et tout, normal. Merci. Et voilà, félicitations. Ah, ta livre, c'était quoi? C'était quoi ton pseudo? C'était Wex, c'est pas ça? Ou Ajex, ou je sais pas quoi, un truc comme ça? Vous êtes trop mignon. Ah bah ça y est, il crase les bras. Parce que j'ai la casquette et la perruque. Hein. Il crase les bras, oui d'accord, ok c'est ça, il garde ça et après des fois il croise les bras. Soirée hors service, on trinque un petit peu quand même. Ah bah ça serait sympa d'aller faire un tour. On a organisé depuis longtemps, 01, un pique-nique qui n'a jamais été. Ah, et moi aussi à la base je voulais organiser un truc, hein, bah si tu veux en parler chef. Bah écoutez, au bateau brésilien. Mais vu qu'on est beaucoup, je vous proposerais bien de faire ça maintenant. Si tout le monde est d'accord, bien sûr. Bah ouais. Bah, avec plaisir. Et bah écoutez, et bah allons-y. Allez hop, en civil, tout le monde. Fin de service pour tout le monde. Oh putain. On va tenir la porte parce qu'on est gentil ici. Bah, on va juste garder les radios. Toi gentil, merci beaucoup. Oh ça Zoro, qu'est-ce que tu me dis là? Du coup on repose notre équipement ou on le garde? Ouais, on va juste garder les radios avec nous, les trucs, c'est tout.
Ah, mais c'est vrai que ma tenue civile, c'est ma tenue de travail. Eh, on va aller changer. Hein. Ah, moi aussi, je crois que je vais aller me changer. Il y en a qui veulent se changer, j'ai 3 places dans mon véhicule. Je vais aller voir l'alcool qu'il y a de disponible. Ah, moi je suis beau gosse, je suis Nicky Larson, moi. Ah, ouais, d'accord. C'est tout ce que c'est moi le plus beau, c'est dire. Pas à peine de ouvrir la face. Non du tout, je suis pas Wex, c'était quoi ton pseudo? Je t'ai envoyé. Tu passes par le garage central. Ok. Je vais déjà aller vite fait me changer. Ah merde, il faut poser. Tiens, Jerry, tu peux me faire essayer ta moto. Merde. C'est vrai qu'on dirait. Eh, t'as posé ton équipement avant? Ah non, bof. Pour passer. Alors attends, est-ce que je récupère mon calibre 50? Il faudrait qu'on se prenne une arme de civil aussi. Ouais. De toute façon, après j'emmène tout le monde au unicorn avec, hein, donc pire. Et en espérant qu'il y a quelqu'un. Alexandre, ça, Thomas, c'est la vraie question. Je suis toujours obligé. Je n'ai pas livré le serveur, juste là, il est speedy. Ok, j'ai eu peur. Je me suis dit pourquoi il est parti. Alexandre Thomas, d'accord, ok. J'ai pris l'alcool. Alors, poser, déposer arme. On pose la matraque, la pistolet de combat, ça, le tasseur, carabine spéciale. Il est quelle heure? Ouais, ça va. Déposer, poser objet. On va poser. Donc ça, c'est mes trucs à moi, on s'en fout. Ah, j'ai des croquettes. Ah, j'ai pop mon machin. Kit de réparation. Lampe. On pose la lampe. Ça, c'est bon. Et normalement j'ai la poignée aussi, la poignée. Ok. On est bon. Je pense, hein. J'aime beaucoup. Ça fait un peu militaire retraité. Bah je sais pas. Ouais. Alors, tenue de civil. Voilà. D'accord, ok. Ouais, il y aura tracé, Ah non, en fait, sur le bâton, on peut pas le faire, parce que j'ai pas d'autorisation à Platov. On va le faire... Sinon, si vous voulez, on peut aller aussi à la propriété de Vingron, on travaille avant. Il y a une grande, grande terrasse. Je ferai attention. Ah ouais, vous pensez que ça va pas les gêner? Oh bah non, ils s'en servent jamais, nous quand on bossait là-bas, on leur demandait pourquoi ils organisaient pas des événements, mais ils me disaient que comme quoi ils étaient trop occupés par le boulot, tout ça, alors qu'il y a une énorme terrasse, quoi. Il y a au moins, je sais pas, une bonne facile, une bonne dizaine, quinzaine de tables. Hein. Ah oui, quand même. Ouais. Puis si on a envie d'un truc un peu plus champêtre, on peut même se mettre dans la pelouse à côté, quoi. Oh, confortable la pelouse en plus, même quand il est couché. Ouais, voilà, avec la petite rosée et tout ça, là. Je voulais choisir, moi je vais juste me changer, j'arrive. Ça marche. Ça marche. Bon allez, viens Mammouth. Ouais, tu vas me faire voir un peu ta bête là. C'est Mammouth. Tu connais Mammouth? Bah si Mammouth, tu connais pas Mammouth? Il en perd sa Mammouth, le Moumouth. Oui, d'accord. Allez hop, Yamakasi. On doit aller mettre un noyau. Non. Oulala, ça frotte, hein. C'était en civil. Attends, on va mettre le casque. On va mettre le casque de police. Jerry, tu veux pas qu'on fasse un tour à la banque sur le passage? Vas-y si tu veux, oui, vaut mieux. Hein. Allez, monte. Ah, mais y'a qu'une place sur ton machin là. Ah, bah je sais pas. Ah, bah ouais, je te confirme. Ah merde. Bah prends ta moto, hein. Mais merci beaucoup. Oh,
délicatesse à la sortie, comme toujours. On pourrait faire un arrêt à la banque ? Exactement. Vas-y. Allez. Bonjour mademoiselle, c'est pour un dépôt. Un gros dépôt mademoiselle. On va regarder 2000 balles sur eux. Merci bien, bonne journée. Salam ou rien. Bon du coup on va où? C'est beau le stationnement interdit franchement. C'était un arrêt rapide. on va à la propriété, non? Je sais pas. La chef, elle a dit comme quoi elle nous suivait, elle allait juste se changer. Au pire. Alors c'est dit quoi? Nicky Larson ne craint personne, grave Nicky Larson. En 30 minutes GTA est installé. Ah nice. Azaï, je te kiffe, continue comme ça, c'est une joie. Alors attends, je vais te dire quand est que j'ai fini. Bon on fait quoi du coup? On va au vin? On va au vin et on donne... Mais attends mais c'est pareil Ils sont où les autres? C'est ça le problème. Normalement, il faut demander à la chef, mais est-ce qu'elle est sur la radio, chef? Elle est pas sur la radio, chef. 47 pour centrale en direction unicorne. 10-4. Ah bah, unicorne, du coup, ils ont dit. Ah bah, unicorne, alors. Je croyais qu'on allait faire un truc extérieur champêtre. Finalement non. Ok, 10-4. C'est pas très champêtre l'unicorne. Ok, 10-4, ok Google. Alors Azaï, je te kiffe, continue comme ça. Ça donne de la joie et de la bonne humeur. Après, ce que tu dis à HL, c'est que de toute façon, quoi qu'il arrive, elle a les clés. Mais après, c'est comme vous voulez. Hein. Si vous voulez faire autre chose et que vous avez une idée d'emplacement. Bah là je vais parler tout à l'heure de la propriété de vin, en fait on travaillait là-haut et personne ne sert de la propriété, il y a une grande terrasse avec une quinzaine de tables. Ouais. Et bien au moins on est tranquille, il y a personne et tout, on est posé hein. Le problème c'est que c'est une propriété. Non, la partie restaurant et tout ça elle est ouverte au public. Hein. Ah d'accord, ok. Y a même pas besoin de consommer sur place, c'est ouvert à tout le monde. Alors, la bonne humeur, ça, c'est dommage que tu ne sois pas mis en avant par YouTube. Ah bah oui, moi aussi je m'aimerais être mis plus en avant en effet. Mais bon, ça va venir, c'est pas grave. GFV Team Fortnite, grave. Ah voilà, merci les potes. Alors attendez. Du coup, il n'y a qu'une place sur ma bécane, ouais, c'est dommage. Ouais, du coup, vous voulez. Parce que moi, au cas où, j'ai les clés, hein, c'est comme vous voulez. Hein. Je te kiffe, grave. Merci, Jérémy. Savoir si tu dois ouvrir ou pas. Bien.
Allez, bon, moi je parie sur 67. C'est couille, hein. Ouais, 67. Allez là. Allez, viens, viens. C'est toi qui voulais te battre, hein. Hop là. Au 32, au 32, tu vas prendre tarif, toi aussi. Allez, toujours la biche. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton pistolet? Ton fric. Allez, tire. Je vais pas tirer, il est malade. Tu vas derrière, c'est la vérité. Alcon. Mais. Bah, merci, l'ami. Mais rangez vos armes là. Rangez vos armes, messieurs, vous êtes sur un lieu public. Hop là. Allez, encore. Mais en même temps, je peux pas parce que tu passes ta vie à être comme ça au lieu d'attaquer. Et le pire, c'est qu'ils sont sobres, hein, c'est ça le pire. Vous arrêtez ça tout de suite. Ils ont pas encore commencé à boire. Oh, ah, bah, on se demande quand ils vont boire. Ah, il va me prendre dans le dos là, ce bâtard. Mais non. Ah non. Non, je te vois pas, hein, petit con. J'ai raté la réparation de la voiture. Ouais. Sinon, comment tu vas? Bah, ça va nickel, hein. Par contre, pourquoi il est habillé en Letton, lui? Qui? Bah, je sais pas. Quelqu'un qui a son haut de forme. Ah, bah, c'est Monsieur Poirot, c'est Hercule Poirot. Ah, bah, c'est pour ça, ouais. Ancien détective privé et tout. Ah, oui. Ouais, un beau CV, hein, un beau CV. Mal présenté. Quoi, mal présenté? Tu m'as pris tout de suite, hein. Parce qu'on était en rade. Ah, là où tout a commencé pour certains. Espèce de con! Mais t'arrêtes! Et hey, je crois, le chef. Mais vous arrêtez de vous battre! Arrêtez! Mais vous. Mais vous, je vous sors. Putain, plus, bah, là. Bravo! Bravo! Oh, la chef, elle s'est fait plaquer. C'est des ouf. Je t'ai découvert il y a un mois. Voilà. Je regarde toutes tes anciennes vidéos. Ah, nice, Jérémy, merci. Voilà. On se calme, les enfants. Je dois rire. Ouais, tu m'auras. T'inquiète pas. Tu es mauvais à la bataille. À la bataille. C'est normal, t'attaques pas. C'est important d'avoir ta garde comme ça. Eh, je suis un bon bagarreur, c'est tout. Oh. Pardon, chef. Mais vous arrêtez immédiatement? Oh là, on est dans Naruto là. Eh, hey, arrêtez, bande de trucs. C'est déjà la deuxième droite que je prends dans le mais arrêtez, ça va être une mise à pied sinon. Arrête. Oui. Maintenant c'est rendu. On est hors service, non? Ouais, mais non. Ouais, bah alors. Le mec il fait un gros impact sur mon pare-brise et il tape sur ma porte. Et bah alors, Carglass, c'est en ce moment, c'est pas cher donc. C'est pas Carglass, c'est Carcane. Vous connaissez pas Carcane? Ouais, un truc comme ça. Je sais pas quoi. Descends de là. Chef? Ouais. Parlez sur la radio. Y a madame France qui m'a vu, par contre, vu que je dois la protéger. Ah bah oui. Voilà. Là, dites-moi, je vais ouvrir, on va pouvoir y aller. Et y a Alexander Thomas aussi. Ah, c'est bon, du coup, vous prenez la porte de droite et c'est tout bon. Et Tom, toi, tu prends la porte tout court. Hein. Ça va faire tout noir. Oh putain, et c'est classe oui ici. Hein. Bah oui. Bien sûr. Il y a de la moquette sur les murs et tout. On se croirait dans la chambre de Tom. Regarde, t'as un truc au niveau de l'œil. Ah non, pardon, ça n'est pas moi. Et putain, je connaissais pas cet endroit là. C'est quoi, c'était stylé? Hop, oh, c'est bon. Hein. Ouais, c'est super classe par là. Et vous avez attends, fini ce que tu fais, toi. Mais vous... La chef, elle va s'énerver. Putain, et c'est classe, hein. Ouais, c'est pas mal, hein. Putain, ça a de la gueule. Bon, on fait des crises d'épilepsie, hein, mais... Des enfants, je vous jure. Attendez, bougez pas. Oh, d'accord, chef, c'est une soirée privée. Hein. Non, non, j'ai mis en public. Ouais. Alors. Fond. C'est une sacrée table de mix, ça. C'est quoi ça? Ah, voilà. Ça putain. Jure. Comment allez-vous?
Bah, t'es pas utile, hein. Oh putain. Y'a mon copain. Comment ça va? Bonjour. Ça va, mon copain? Regardez tous les trucs qu'il y a là-haut, là. Ça fait plaisir, hein. Il y a le bordel, regardez-moi ça, ouais, c'est quoi ce bordel? Hein? Ouais, c'est quoi tout ce bordel? Yeah, bitch, let's go! Oh putain! Oh, wow. Ce père, il va se mettre bien! Il va rentrer avec nous. Et ils sont fracas. Oh putain. T'as mature de bouger. Oh du coup. C'est des tomates. C'est des tomates. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là là. C'est des tomates. Arrête, arrête de bouger. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête, arrête de bouger. C'est vrai, oui, un fantôme. Sur la gueule. Ah non, non. Oh là. Ah, c'est chaud! Qu'est-ce que tu m'as donné, toi? Ne laissez pas sortir, ils vont nous taper! Ah, plus, un petit rhum, un petit rhum. Ah, tu veux ça? Attends, bouge pas. Ah, bah, c'est un petit rhum, je prends. Il va enfermer avec eux! Hey, non, trop, il va nous faire sortir! Oula! Eh, merci! Eh, monsieur... Vous ne sortirez pas! Allez, sortez tous de là, là, puis dégagez de ce club! Allez, on dégage. Allez, on dégage, on dégage. Putain, le bordel là-dedans. Salut les amis, ça va, putain? Wow. Mais c'est le bordel en fait, qu'est-ce qui se passe là? Ouais. Bon, y a les danseuses d'ici qui se sont un peu révoltées. Oh là là, ils ont l'air dissidentes, hein. Ah ouais. Au secours, ils m'ont tapé. Tu regardes la ligne qui est bloquée là-haut. Pourquoi tu m'appelles que ça, Aiden, hein? Oh putain, un peu plus quoi. Ouais. Non, non, mais pas de fumigène, tu te rends cul. T'as des fumées, il fait. Elle est où, Andrew, là? T'es où? Et Oh non, mais t'es pas de fumigène, attends, hein. C'est moi qui suis responsable, là. C'est 12 ou 94, là? Là, c'est 94. Il y a déjà un massacre. Ah, 94, viens. Ah, fais-nous ta plus belle danse, ici. Vas-y, on te regarde, 94. Et nous, ta plus belle danse, hein. La plus belle, hein. Alors, attends, c'est où les danses, là-dedans? Salutations... C'est dans... Ah, ils dansent. Alors, normalement, hein, tu peux choisir et tout, là, quand tu te mets là et tout. C'est moi qui bug ou c'est Pierre-Mathieu au platine? Non, c'est pas bug, je crois. Je pense pas. C'était bien Pierre-Mathieu. Oh, oh là là, et c'est énervé là-bas. Donne-moi ton corps, bébé, ton corps, bébé. Ouais, ouais. Alors, je vais noter ça pour la petite médicale. Je crois que j'ai vu quelque chose que je suis pas prêt d'oublier. Oh mon dieu. Est-ce que vous êtes chaud? Vous êtes chaud? C'est chaud, c'est chaud. C'est normal le mec qui agresse toutes les meufs là-bas? Qu'est-ce qui se passe ici? Ouais, je suis chaud. Voilà. Eh, par contre, 32. Ah. Je vais dire que c'est la vie, mais... C'est quoi ce bordel? Il est mort. Ah, mauvaise idée, ça fait des putains. Eh, monsieur Post, allez. Comment ça va? Eh, ça va et vous, monsieur Post? Oh, le bordel, j'en peux plus, quoi. Ça fait plaisir de voir. C'est plus drôle, c'est surtout quand c'est Azaï. Super, et toi, yo, diamant? Je vois plus la Nissan GTR, là, j'entends plus les vroom vroom en ville. Tu peux m'appeler? Ah, disons que j'ai chopé un peu mieux en ce moment, donc... Ah là 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 là. C'est bon, les gars, je prends des notes. Y'a pas d'insultes et tout. Oh non, c'est cool, c'est cool. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais pas danser. Arrête de nous taper tout le temps, toi. Ah putain, qu'est-ce qu'on rigole. Ah.
Ah là là. C'est le bordel hein. Salut Azaï, ça va super et toi? Oh, ouais, mais dans le noir faut la voir. Bah alors Jacques, ça va faire la pute. Ah bah elle est là, ça veut se faire... elle est là, elle est toute blanche. Ah bah il faut. Alors, il y a l'air de du boulot. Plutôt décolleté ou plutôt ça? Quelle heure? 22h15. Ah, tu voilà, sais, des plantes de ménage. Alors, au final. Ouais, j'ai vu ça, ça allait faire fatal. Plutôt corset du coup, toi. Ne rentrez pas dans les toilettes, s'il te plaît. Tout ce qui passe. Voilà pour faire des sentiments. Je le peux pas mettre des centimètres. Excusez-moi, les toilettes sont fermées pendant un moment, s'il vous plaît. Ne pas aller aux toilettes, je veux même pas savoir ce que t'as fait dans les chiottes, Aïe. Bah, y a beaucoup de cadavres à partir de tes pas, pourquoi hein. Comment ça se fait? Non, n'y alliez pas. Non, mais c'est le bordel, un petit peu quand même, Tom. Hein. Oh la boucherie! Mais c'est quoi ce bordel là? Oh la vache! Oh là là! Oh la vache! Ne sais pas du tout ce qui t'est passé, hein! Oulala! Ah ouais, ça bloque l'entrée, tous les putes! Oh mon dieu! Non, mais c'est pas moi, t'es. Ils ont des Dyson et tout! C'est de la légitime défense. Ah, ça va dégueulasser mes chaussures, ces conneries. Putain, dis donc, c'est incroyable. Dans les chaussures, j'ai quoi? Non, mais c'était de la légitime défense. C'est pas le dans la tête. C'est pas le dans la tête, ah ouais, d'accord. Hey, y'a Andro, il fait une petite sieste, là. Il est déjà fatigué. Ouais, t'étais pas là. Ouais, Thibaut, c'est pas mal. Est-ce que vous avez fait en plus son? Ouais, maman dit, c'est pas son numéro. Teddy, est-ce que vous avez fait en plus son? Jaloux. Bah dans le cas on fait pas dans les toilettes s'il te plaît. D'accord. C'est passé quoi dans les toilettes? Bah t'es pas tout dans... Ah voilà. Ah ok. Ah, ça m'avait manqué aussi. What the fuck. Ah ouais. Oh mais t'es kiffé lui. C'est normal tout ça. Voilà, là je suis en légitime défense hein. Allez on... Attention, moi. Contre ouais. Le mur, contre le mur. Ça va Jerry. Ça va partir en coup. Mais il me plaque contre le sol lui. Pas les armes. Pas les armes. Alors, oh putain, ah, y'a des gens qui m'ont parlé sur Discord, j'en aurais plus tard. Qui me défendent, ils commencent à me plaquer contre le sol. C'est une arme. Non, c'est pas ça que je vais faire, c'est ça. D'accord, bon bah, pas d'armes, ok, pas de tout tir, on va faire au point alors. Ouais, vous deux pas. Allez, retourne-toi. Allez, retourne-toi. Voilà. Pas à bouger. Pas à bouger. Pas à bouger. C'est le bordel. Le pauvre Anu, quand il est pas prêt. Vous deux pas. Quoi? Il vit dans le jeu, mais je suis mort. Ah, c'est dommage. Il est bien, ça se met bien en fait. Va mettre le shooter. Oh, voilà. Je suis pas mort, Andro. Tu vois pas de l'alcool, je te tape. T'inquiète pas, j'en ai encore plein les poches. Ah, reviens là, reviens là. Et ouais, reviens là. Tout est dans mon sac. S'il faut les infecter, j'ai ce qu'il faut. Alors attends, je serais bien par là. Arrête de me coller, y'a trop de témoins. Mettre deux shooters alors, tu veux? Ah, si, ouais, c'est ce qu'il y a de plus fort. T'en veux combien? Putain, mais il a changé, chef! 5 mètres. 5 mètres, ça va bien pour commencer. Au bout d'un mètre, tu vas tomber par terre. Ouais, t'es là pour me ramasser. Qu'est-ce qu'il y a de chef? Venez me sauver, je suis à côté de l'aéroport des Trevor. Ah bah oui, mon vieux, là, on est pas du tout là. De quoi? Attendez, faut. Les gens se déclarent. Ah, moi je sais pas, je suis arrivé dans les escaliers, je t'ai vu, t'étais en train de faire dodo. Ouais, bien sûr. T'as sûr toi aussi là. Ah, mais Jerry, je crois que dans ma moto là-haut, j'ai encore quelques trois trucs qu'on nous avait donné à notre départ. Ah, oui, c'est vrai. Mais ça sera plus pour une petite soirée, je pense, posée, mon avis. Tu peux se battre? Attention, hein. Ah, j'ai toujours voulu essayer voir si ça montait au cerveau. Non, mais vous battez pas ici, non, je rigole même pas. Wouhou! Pardon, il a mis KO. Alors, je sais pas si la personne qui est en train de se faire. Oh, bah, ça doit être moi. J'attends 9 minutes 26. Par derrière. Tu veux tester du coup tes grands crus, toi? Qu'est-ce que tu dis? Tu veux tester tes grands crus? Ouais, je sais pas. Voir si ça monte à la tête. Écoutez-moi, est-ce que dit de la danse? Vous devez aller vous mettre au milieu de la piste et danser là. Et Ali est derrière le comptoir. Ouais, mais t'es pas grave, tu danses quand même. Pas Tom Mike, hein? Tu fais des sauts, tu fais des sauts, tu marches, t'es pas, mais tu danses. Eh, je prendrais bien.
LSPD de la danse là, tout le monde va danser. C'est pas Tom Mike? Allez, je ferai une tournée à monsieur Bullock là derrière le comptoir. Tiens, je t'ai mis une petite bouteille. Ah, mais j'en avais déjà. Ah bon? Oh putain, ça m'est bien. J'ai même plus assez de force pour lever mon doigt. Et on voit des, on voit du rhum. Du rhum? Oh Thomas. Non. Ah, tu veux encore du rhum? Oh ouais, putain, petit casse-couille toi. Fais péter le rhum. Ah bon, moi d'ailleurs, je sais. Alors, pas. Du coup, c'est quoi pour nous? Ah non, non, il est pas bien du tout le mec là. Voilà, ouais, mec, ouais. Voilà. Ah, c'est après. Bon le rhum. Ah, plus vite. Ah ouais, Jacques, il est un peu dur là. Ouh. Attends, mais là, il est pas bien du tout. Ouais, bah, c'est la bouteille que j'ai donnée là. Ah, mais là, tu m'as donné le verre, tu m'as pas donné la bouteille. Attends, je vais te donner autre chose, tu vois. Non, je veux même pas le reste. Hop. Ouais, c'est... Et Pierre Mathieu, non. L'huile de morphine, de l'huile de morphine. J'y pensais. Putain. Ah, ah bon, bravo Pierre Mathieu. De quoi? On est bourré? Non. Menteur. Vas-y, marche un peu. Non. Vas-y, marche. Bah, je marche là, regarde. Je marche, regarde. Non, mais marche, que là-bas. Qu'est-ce qu'il t'a dit, toi? Voilà, ensuite. C'était quoi la surprise? Ah bah c'était par contre, attends, j'ai cherché une facture, mais c'était pour toi. Je prends pas d'alcool, hein, t'as rêvé? Ah, c'était ça la surprise. C'était ça la surprise. Ah, par contre, j'ai... excusez-moi, mais j'ai reçu une facture, moi j'ai rien pris. Ah, super. Ah, super, ça sera respecté. Paye là, Jerry, je te la rembourse. Ok, mais c'est 2000 balles quand même. Ouais, ouais. Est-ce qu'on peut aller parler dehors? Tu veux de l'aide, un peu, Nat? Non, c'est bon, t'inquiète, je gère. C'est bon, c'est payé. Les poches pleines. Si. Ah oui, je fais ça, hein. C'était combien? 2000. Ouais, bah oui. Je t'ai donné un échantillon de tout à l'heure. Ouais, c'est ce qu'il faut, il faut un échantillon de tout. Putain, j'espère qu'il était bon ton whisky à 2000 balles, hein. Oh là là, Fraise, il est bien là. 2000 balles, aussi. J'ai essayé de prendre la bouteille. Je suis bourré, être pas con. C'est bon. 2000 balles aussi. Allez, moi, je te montre ma GoPro ou quoi, là? C'est bon, j'ai piqué la bouteille. C'est bon. Tiens, Hercule, bois. T'as quoi? Oh, attends, ça bouge. Eh Fred, Fred, j'ai volé la bouteille. Vas-y, au revoir. Il en veut plus, lui. Tiens. Tiens. Prends la bouteille. Attends, attends, je la vois pas là. Tiens, tiens. Attends, je la vois pas. Attends, attends, je te la mets dans la bouge. Fais gaffe, tu gobes la bouteille, je touche. Allez, boire, toi. Non, c'est pas ça que je veux faire. C'est bon, là, les zombies. Alors. Ah merde. Il y a même pas l'autorisation pour le biberon, il parle. Encore 9 minutes, puis GTA sera téléchargé. Ah bah voilà, c'est ça qu'on veut. Quoi? Ah, ça tourne. Jack est colère. Ah bon? T'as dit? Bien chaud. J'ai tâté depuis grand chose. Bien sûr là. Bon, allez, à boule les thunes, enfoiré. On m'a envoyé un. J'ai pas de. Envoyé un double. Oh là là, et ça tourne ici. Oh pardon, madame. Ah non, c'est monsieur. Pardon monsieur. Qu'est-ce qu'il vous faut monsieur? Non, allez chef, j'ai eu, moi j'ai reçu une facture alors que j'ai rien pris moi. Merci. Comment je vous vois? Hein chef? Eh bah ben, tu payes quand même. Alors du coup c'est... Ah voilà. Là-bas, il y a là. Eh ben je peux. Il est bourré l'autre Pierre Mathieu. Tu veux venir unicorne? Il y a plein de monde. Tenez vos bières. Vos bières, vos whisky, pardon. Je suis là dans 8 minutes 13, mort de rire. Merci, merci. Voilà, c'est le début de soirée ou la fin de soirée? J'ai plus l'habitude, j'ai plus l'habitude. Ouais, c'est juste que t'as trop mis encore. Hein. Pour le point Nat. J'ai pas vu encore. Alex, faut pas faire ça encore. 94 à toi. Ouais, j'étais en train de vous dire que moi j'ai reçu une facture alors que j'ai rien bu. Ah mince! Tant pis, tu payes. J'ai eu, mais j'ai eu 2000 balles de facture. Ah merde. Ouais, c'est ce que j'ai payé aussi. Nat. Ouais. T'as donné l'alcool en gros? Non, je lui ai donné un jus de fruit. Bah écoute Ah putain, attends, attends, vas-y, gère-le parce que... du coup, alors attends. Moi. Nathalie, 10 mètres. 10 mètres ici. 10 mètres. Attends, je te rembourserai la lesbienne. Oh, attends, 10 mètres. Elle est belle la lesbienne. 94, tu veux voir quoi? Bah, dans le coup, je vais prendre, je sais pas, un petit rhum ou un truc comme ça. 10 mètres aussi, 10 mètres aussi. Ouais, allez, vas-y, on fait 10 mètres. Vincent, la mort t'attend. 10 mètres par personne, c'est parti. Allez. Allez. On va péter un coup. Oh,
première fois depuis que je suis en ville là que je me lâche. Ouh. Et là. Ça fait du bien. Ah, ça fait 3 mois. Hein. Ah oui. Fallait bien décompresser. Hein. Ah bah il faut. Tadadadam. Fallait décompresser plus tôt, je sais pas pourquoi. Ah, t'es encore bourré, Hercule. Quoi? Quoi? Oh, bourré, non. C'est mais pas... non, regarde, il a la moustache qui frétille, il est en forme. Hein. 10 mètres. 10 mètres ici. Ouais, ah, attends, je fais 84. Ouais, je dis 11 mètres. Ah, 12. Ouais, 13. 20 mètres. Allez, 25. J'ai pas entendu. Hein. Tu m'avais demandé de quoi c'est. Un rhum ou un truc dans le genre, ouais. Quoi? C'est à moi. Du coup, c'est pour moi vu que c'est toi qui as eu la facture. Ah merci bien. Non, c'est le médicament. Voilà. Je prends la drogue. Passe la morphine. Non. Alors, les 10 mètres, t'es sûr? Alors, on a pris quoi? On avait quoi? Les bandages? Ah oui, on a du rhum là. Hop là. Tu vas dépenser 100 000 balles, tu vas en faire mal. Ouais, c'est pas grave. Demande au Maria, Jack. T'inquiète pas, j'ai déjà fait les 100 000 balles. Ils sont où mes potes? Demande au médecin. Oh là là. Ils sont où mes potes? Oh, sorti dehors. Faites que vous êtes autour de toi. C'est trop beau. Ouais, il est où Tom? Oh là là. Boum. Merde. Utilisé. On est là. Je te l'ai fait moins cher parce que sinon ça pique. C'est combien? Allez, ah ouais. Normalement c'est 100 000. Oh, hein. Ah ouais. Bon bah, c'est parti. Allez, 20 mètres pour toi aussi Fred. Mais je t'ai la liste, 100 000. Vas-y, au revoir les 20 mètres là. C'est où les copains? Ils sont dehors? T'es la moustache qui frétille, mort de rire, vas-y. T'es le sang. Alors, ils sont où les potes? On a des potes dehors ou pas? Oh là là. Ah bah, t'es là, Tom? Ouais. Tu fais quoi? Je vais devoir aller me coucher. Ah bon, déjà? T'es en état de conduire? Ouais, je suis redescendu. Ouais, c'est ça, moi aussi, je suis descendu de ouf là. Ouais, ça se voit. Ouais, ça titube un peu. Bah, du coup, là, tu vas te coucher là? Ouais, normalement, ouais. Bonne soirée! Alors attends, je vais prendre un truc pour manger quand même, hop, parce que je me sens pas bien. Hop. Et hop. Hop. Du coup, tu fais quoi là? Du coup, tu vas ranger au Comico le truc? Putain, il faut qu'on voit. Ouais, tu veux faire quoi? Non, bah là, attends, je vais aller te chercher tes 2000 balles. Non, mais c'est bon, au pire, laisse tomber. Bon non, t'as pris la facture pour moi. Bah attends, vas-y, je te suis, alors attends. Non, mais monte plutôt derrière moi, non. Bah non, mais moi je suis bien, là. Ouais. Je suis frais comme un gardon. Oh là 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 là. Tu veux aller à quelle banque? Ah bah, il y a une banque ici, ouais. On peut se faire chier, hein. Ouais, c'est vrai. Ah bah. Par contre, ça cogne, hein, le rhum, hein. C'est pas le vin. Hein. Ah bah, leur whisky aussi, hein. Ah, il cogne dur, hein. Je crois que c'était la marque Mike Tyson, un truc comme ça. Ah, merci beaucoup. Oh, avec la prime qu'on a eue. Eh bien, la petite prime, il faut qu'on fasse des convois plus souvent. Ah hein. Ouais, ça c'est clair. Et du coup, là, tu vas te coucher là, c'est ça? T'es fatigué ou... Bah, en fait, je sais pas. Parce que ça serait bien si on en profitait peut-être là. Enfin, remarque, je sais pas. Parce que j'aurais bien été essayer de voir pour voir l'agence immobilière, mais. Bah, pareil, mais je sais pas s'il y en a en ville. Bah ouais, puis je sais pas s'ils sont disponibles rapidement, tout ça quoi.
Où est-ce qu'on peut demander ça? Parce que. Salut Azani, salut Fitnot. Je sais pas. La lumière du jour, elle doit faire très mal. Ah ouais, non mais ouais. Je kiffe tes lives. Merci beaucoup. Au pire, faudrait faire un appel sur l'application de la ville. Hein. Ouais, je pense qu'il faut faire un petit message sur la ville de la ville. Et du coup, par contre, c'est chiant si j'ai qu'une place, moi. Bah ouais, j'ai pas pu en tout cas monter avec toi. Je pense peut-être que c'est en option. J'ai même l'impression que moi aussi, bah, à Kuma, en fait, on peut monter que... Non, toi, t'as un petit siège, regarde, je vais monter dessus, ouais. Tu vas voir. Parce que toi, pour le coup... Toi, t'as un petit siège, mais moi, c'est vrai que c'est caréné, quoi. Tu vois, toi, c'est bon, quoi. Ouais, ouais. Alors que moi, il y a du carénage dessus. Bon, tu peux t'asseoir dessus, mais t'as mal au cul, quoi. Ah ouais, bah... Oh putain, je vais beaucoup mieux, là. Puis j'ai envie de me renseigner aussi, parce que j'en ai marre de me balader sans armes quand je suis en civil. Ah oui, ça aussi, il faudrait qu'on voie, ouais. Passer le PPA civil là. La même Savio. Merci les potes. Attends. Une seconde. Je regarde un truc et j'arrive. Ouais, vas-y. Ah bon, je vais pouvoir rester encore un peu. Bah attends, au pire, je te passe un petit coup de fil, on reste en contact radio avec les casques. Ouais, de toute façon, on a plus besoin d'être sur la radio. Ouais, on est plus en service, ouais. Ça marche. Code barre, il est là, code barre. T'es good? Alors, ah merde. Alors, attends, j'enlève le push to talk. Pareil. Voilà, push to talk retiré. Parce que c'est. Ouais, pareil. Bon, alors, c'était rigolo. Tiens, alors attends, Ah ouais, c'était sympa. Alors, attends, je vais en profiter pour. Faire le rapport virtuel de la soirée. Ah oui, faut le faire, t'as raison. Ouais. T'as raison. Bah moi je crois que limite, ce que je vais faire les potes, c'est que je vais couper le live. Je vais peut-être continuer un petit peu jouer à la cool, mais je vais couper le live, comme ça je suis tranquille. Merci d'avoir été présent ce soir. Voilà, clope, elle a failli faire un vol plané. Merci d'avoir été présent ce soir, c'était bien cool. Je sais pas si vous avez kiffé, mais moi le petit convoi fédéral, c'était vraiment très très sympa. Je vous fais des bisous. Demain, nouvelle vidéo. Demain, nouveau live aussi. Hein. Je pense que dans la journée avec Côte, on va faire en sorte de pouvoir live. Comme on a dit, on va essayer de chercher aussi. En journée, il n'y a pas beaucoup de monde sur Antares, matin et début de journée. On va essayer de trouver un serveur à côté pour pouvoir jouer aussi un peu la journée et pouvoir faire du live dessus. Donc voilà, on est en train de chercher en ce moment. Je vous fais des bisous, portez-vous bien, puis on se retrouve dès demain du coup. Ciao, ciao tout le monde!